Salut l'internet, on est jeudi et je suis de retour, donc c'est le retour du jeudi. Voilà, Jojo Bernard fait son comeback après un mois où j'ai travaillé de dur labeur. Parce qu'en fait, moi, pendant les vacances, bah, je fais des colonies avec les petits enfants comme ça. Parce que moi j'aime bien vraiment faire travailler dans les colonies parce que à chaque fois c'est moi je passe pour le patron quoi, c'est moi le plus grand donc forcément Daisy qui veut faire un foot moi j'étais avec Bernard parce que voilà forcément comme c'est moi le plus grand c'est moi le plus fort. Ou alors quand on fait du rugby, ça j'adore ça parce que pour le rugby il faut avoir des gros muscles quoi, faut avoir de la force parce que tout le monde sait comme dit mon grand-père la force ça soulève les montagnes. Mais du coup, moi je fais du rugby comme ça et je les déglingue tous comme ça. Je me souviens un moment, il y a un petit moment doux qui arrive comme ça et arrive avec son ballon. Puis moi j'arrive, bim, comme ça, je lui mets le coup de doigt dans sa gueule comme ça. Je l'éclate, je lui prends le ballon et tout. Et après, je mets l'essai, genre défonce 2-3 autres. Puis après, il pleure et tout. Le moment doué, ah ouais, m'en fait mal et tout. Sauf que c'est moi l'animateur. Il peut pleurer tant qu'il veut. Moi j'en ai rien à foutre. Y'a personne à engueuler pour qu'il soit content. Du coup, je dis, bah allez, tu fais le malin. Bon, toi sur le côté. T'es puni jusque la fin de l'après-midi. Bon, pas me faire chier longtemps, tu sais, moi. Pour ça, moi, les colonies, rugby, tout ça, y a jamais rien, personne qui me résiste. Enfin, non. Le seul qui me met des coups au rugby, c'est le soleil. Parce que ça, le soleil, je sais pas comment il fait pour m'avoir à chaque fois. Pourtant, chaque fois dans les pubs et tout, ils disent mettez de la crème et mettez un t-shirt. Mais je fais que ça, mettre de la crème. J'en mets dans ma carbonara. J'en mets dans mon café et ça suffit jamais. A chaque fois, j'arrête pas de bouffer de la crème solaire et j'en ai toujours des coups. Je suis toujours tout rouge comme une écrouvisse. Ça commence à bien faire perdre sur les noix, hein. Non, mais sérieusement. Ça m'énerve, ça. C'est ça, c'est le côté soleil. C'est vraiment le côté chiant de la colonie. Après, la colonie, ce que j'aime bien, bah, c'est la nuit, quoi. Parce que du coup, il y a la boum. Là, il n'y a pas de soleil. Puis en plus, bon après tu vois, je vais un peu chauffer la donzelle quoi, je vais voir Sylvie l'animatrice, du tout danser avec moi. Bon, pas de chance, elle m'avait dit qu'elle devait téléphoner, tout ça, donc elle a pas pu danser avec moi, mais sinon elle l'aurait fait. Mais du coup, je dis bah c'est pas grave, Sylvie elle peut pas, bah je vais voir Kimberley. Parce que Kimberley en fait c'était une petite fille, elle avait 12 ans, mais on aurait dit qu'elle avait 13, elle avait des gros ins de ouf quoi. Du coup je dis bah tu veux faire un slow et tout quoi, tu vois. Puis elle me dit non. Elle me dit non, moi je veux danser avec Dylan. Dylan que 1011 ans en plus. Que moi j'en ai 20, il est 11 ans. Tu crois que c'est. Bon là franchement, faut pas déconner quoi. Je suis quand même Jojo Bernard quoi. Je suis une star. Enfin je sais pas, moi je suis pas non plus un gland quoi. Tu veux que je sois une star comme Brad Pitt? Y'a pas de problème. Ça moi je peux faire hein, le Brad Pitt comme ça, faire le show américain. Et après, voilà toutes les donzelles. Vous allez venir à moi. Moi je vais faire des vues. Moi je vais défoncer des chattes. Tu veux que je défonce des chattes pour faire des vues? Ou l'inverse? Bon ok, y a pas de problème. Ce que je te propose, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne, que tu vas sur mon Facebook, et comme ça après, je vais aller défoncer de la chatte. Salut! Coucou Mr. Guette. Avec moto. Allez, viens. Potichi, je vais te défoncer ta gueule. Hop, faut pas bouger, ça fera pas mal longtemps. Les chats, c'est des connards.